Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. L'Association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer a lancé le 5 octobre dernier à la Baie des Rois de Libreville la campagne Octobre Rose sous le thème « Liberté et acceptation de soi ». Plusieurs activités étaient au programme, occasion pour nous de revenir sur le déroulé de cet événement, faire un bilan et connaître les perspectives en ce mois d'octobre 2024. Pour en parler, nous recevons Jeanne d'Arc Condès, la présidente fondatrice de ASAFAC, l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Votre association est engagée depuis 2017 en faveur de la lutte contre les cancers féminins. Dites-nous, à quel moment avez-vous ressenti le besoin de soulever les armes pour mener ce combat ? Alors, deux événements majeurs de ma vie sont à l'origine de la création de l'association ASAFAC. Le premier est l'annonce de la maladie de maman, la découverte plutôt de manière inopinée de la maladie de maman, d'accord, puis son décès. La maladie qui n'est autre que le cancer du col de l'utérus et qui malheureusement avait été détectée en phase terminale. Et par la suite, elle en est décédée dans mes bras. Donc ça, c'est le premier événement. Ensuite, il y a eu quelques années plus tard la rencontre avec des femmes malades du cancer dans le cadre d'un projet social, le projet CAS, pour lequel j'étais amenée à relooker les femmes malades du cancer, étant conseillère en images. Voilà, donc j'avais été amenée à partager à ce projet-là. Oui, et là, ça a été le déclic. Aujourd'hui, comment procédez-vous pour accompagner ces femmes? Nous avons plusieurs actions, d'accord, déjà au sein de l'association. Notamment la prise en charge psychologique très importante. Oui. C'est d'ailleurs sur cette prise en charge-là que nous mettons l'accent. Ensuite, il y a l'aide et le suivi, l'accompagnement de ces femmes, parce que ces femmes, pour la majorité, ce sont des personnes classées gabonais économiquement faibles. D'accord. Et donc, qui ont de grosses difficultés sur le plan économique. Donc, nous leur apportons une aide, que ce soit au niveau de la scolarité des enfants, très bien, notamment à la rentrée scolaire, oui, ou alors lors des grandes fêtes comme celle de Noël. Et aussi, nous, tous les mois, nous intervenons en leur offrant des kits alimentaires quand nous pouvons, tous les mois, sinon tous les deux mois. Très bien. Octobre Rose est justement le mois dédié au cancer féminin. 7 ans plus tard, quel est le bilan que ASAFAC peut faire? Alors, c'est un bilan que je dirais riche, notamment au niveau de la sensibilisation qui est de plus en plus accrue. Très bien. Au niveau de la prise en charge également des femmes que nous recevons, donc des membres de l'association, la prise en charge psychologique et, comme je le disais aussi, le soutien matériel et financier des fois. Il y a également un renforcement avec les partenaires, un partenariat renforcé, puisque l'association ne reçoit pas de subventions et donc il faut chercher pour pouvoir mener les activités de terrain. Exactement. Et aider les femmes. Exactement. Il faut chercher des partenaires, oui, qui veulent bien nous accompagner dans ce combat. On va revenir sur l'événement du 5 octobre. Votre association a lancé la campagne Octobre Rose. Le thème retenu était « Liberté et acceptation de soi ». Dites-nous pourquoi ce choix? Déjà, de manière objective, le thème en lui-même célèbre le courage, la détermination et la résilience de ces femmes qui ont défilé et de toutes les malades du cancer qui n'ont pas pu être là, mais qui aussi mène ce combat, peut-être de façon voilée. Mm-hmm. Ensuite, la liberté. Pourquoi liberté? Alors, il faut savoir qu'après une ablation, beaucoup de femmes se sentent affectées physiquement, émotionnellement. Effectivement. Pour beaucoup, c'est la féminité. Elles se sentent atteintes dans leur féminité. Oui. Et donc, il faut vraiment être courageux pour pouvoir vivre de manière
normal en faisant fi des jugements. Donc, la liberté pour ces femmes, c'est la liberté, le droit de vivre sans jugement, le droit de pouvoir vivre sans être traité de monstre, comme on le fait pour certaines. Et l'acceptation de soi, c'est de pouvoir se dire que malgré les stigmates dus à la chirurgie, par exemple, la beauté ne se limite pas aux normes, aux standards de la beauté, oui. Mais qu'il faut aller au-delà de ça. Oui. Exactement. Alors, est-ce qu'on doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a encore, malgré les campagnes de sensibilisation qui sont effectuées sur le territoire national, est-ce qu'on doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a encore des Gabonaises qui ont du mal à accepter la maladie? Il y a beaucoup, il y a encore beaucoup de réticence. Il y a non seulement des personnes qui ont du mal à accepter la maladie, mais des fois, le refus vient de la famille. Pour une femme, par exemple, de son conjoint. Donc, beaucoup de femmes ont encore vraiment du mal à accepter le statut de malade du cancer. D'accord. Mm. Pour revenir sur ce lancement, les absents à cet événement, qu'ont-ils raté, dites-nous? Ils ont raté beaucoup de choses. Ils ont raté la célébration de la vie. D'accord. De la force et aussi de l'acceptation. Mais ils ont aussi raté un événement unique, une occasion unique et une expérience riche en émotions. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui a été fait durant cet événement? Alors, ce qui a été fait, c'est déjà le défilé de mode. Les tenues ont été confectionnées par Chouchou Lazare. D'accord. Et ensuite, la particularité de cette tenue, oui. C'est cette robe traitement ou robe médicament. Donc, la robe avec tous les traitements que ces femmes, les boîtes de tous les traitements que ces femmes prennent pendant tout leur processus de traitement. Oui. Il y a cette robe-là. Et ensuite, le fait de retirer, d'avoir de cette mise à nu, on va dire ça. Donc, pour certaines, les perruques qui ont été retirées. Oui, on l'a vu. Et pour d'autres, les prothèses mammaires externes. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment courageux de leur part. C'est une première au Gabon. Et même en Europe, je n'ai pas vu ça. Très bien. C'est pour dire qu'en Afrique, on peut faire des choses exceptionnelles et on peut amener, attirer l'attention encore d'un plus grand nombre sur l'Afrique. Tout à fait. Alors, en ce mois d'octobre 2024, on peut alors dire que tous les objectifs de ce lancement ont été atteints. Le bilan est positif. Tout à fait. C'est dommage, le seul hic, c'est qu'il n'y a pas eu grand monde comme on l'espérait. D'accord. Beaucoup de personnes nous ont garanti, mais malheureusement, pour des raisons diverses, certes, elles n'ont pas pu être présentes. C'est la seule chose que nous déplorons. Mais en ce qui concerne l'activité elle-même, telle que nous l'avions prévue, l'objectif a été largement atteint. Très bien, mais il y a des perspectives pour Azafac, il y a des projets en cours. Pour ceux qui n'ont pas assisté peut-être à cet événement, il y a d'autres événements qui seront organisés, dites-nous, durant ce mois d'octobre rose. Pour le mois d'octobre, nous avons un autre événement aussi, c'est la pièce de théâtre huis clos avec les Phénix. Là encore, les comédiennes, ce sont les malades du cancer. Très bien. Et nous avons aussi des sensibilisations au sein des entreprises, les dépistages aussi. D'accord. Alors, nombreuses. L'agenda est très chargé. Très bien. En ce mois d'octobre 2024, nombreuses sont les associations qui organisent des événements sur le continent africain afin de montrer l'ampleur de la maladie. Alors, dites-nous, aujourd'hui, peut-on dire qu'il y a des avancées médicales pour offrir des meilleurs jours à ces femmes? Il y a énormément d'avancées thérapeutiques. Je vais en citer quelques-unes. Hein. L'immunothérapie, il y a la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, donc maintenant,
comment dire ça, la molécule. D'accord. Voilà, la molécule va cibler uniquement les cellules cancéreuses et laisser les cellules saines. Voilà, donc il y a ça. Il y a des améliorations aussi au niveau de la radiothérapie. D'accord. Voilà, pour ne citer que cela. Pour revenir justement sur Azafa, comment adhérer à l'association? Est-ce qu'il suffit d'être une femme malade et puis on vient vers vous? Comment ça se passe exactement? Pour adhérer à l'association Azafa, il y a déjà, il faut dissocier les bénéficiaires, l'adhésion des bénéficiaires. Les bénéficiaires qui sont les personnes malades et ensuite il y a les bénévoles d'un autre côté. D'accord. Les bénéficiaires, nous avons une condition, c'est qu'elles acceptent de se faire filmer, photographier. Mais même là, nous ne pouvons pas tenir vraiment, être rigoureux par rapport à cette condition-là. D'accord. Nous essayons de leur faire comprendre que si l'on veut se faire connaître, les gens ont besoin de voir les personnes, de savoir qui est malade. Donc, malheureusement, compte tenu de tous ces tabous qui entourent la maladie, il n'est pas toujours facile, aisé de rencontrer des personnes qui acceptent de témoigner, qui acceptent de défiler tel que l'on a fait, mais qui acceptent vraiment... Même quand nous faisons des documentaires, des films documentaires, il y en a qui veulent bien témoigner, mais à visage couvert. D'accord. Donc le tabou, il existe encore. Oui. Alors justement, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Dites-nous, quel est le message que vous portez aujourd'hui? Moi, j'ai deux messages à porter aujourd'hui. Le premier, c'est encourager toutes ces femmes qui hésitent encore de se soumettre au dépistage précoce. Oui. Parce que plus tôt la maladie est découverte, en cas de maladie bien sûr, plus tôt elle est découverte, plus vite elle est prise en charge et plus les chances de guérison sont élevées. Et ensuite, le deuxième message, c'est l'appel à la solidarité. Solidarité familiale, la solidarité au niveau de la société. La solidarité familiale, essayer de faire comprendre que lorsqu'un membre est malade, elle a besoin d'avoir tout son entourage autour d'elle pour la soutenir. Parce que n'oublions pas, la retourne. À qui le tour? Oui. Et qu'est-ce qu'on aimerait? Comment aimerions-nous être traités si jamais c'est nous qui sommes à cette place? Oui. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le mois d'octobre est le mois de dépistage gratuit des cancers féminins. Mais encore, il faut rappeler que ce dépistage est gratuit toute l'année parce que la femme doit être protégée, surtout que c'est elle qui donne la vie. Jeanne d'Arc Candès était notre invitée du jour. Je rappelle qu'elle est la présidente fondatrice de Azafac, l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer. Nous parlions de la campagne d'Octobre Rose lancée le 5 octobre dernier et des prévisions de l'association. Nous, on se retrouve très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.